c'est sympa ici. Mais ce n'est pas chez moi. J'ai l'impression de me cacher. Les gens comme nous ont besoin d'amis puissants pour se faire une place dans le monde. Ne jouez pas les innocents. Je le vois dans vos yeux. Vous avez tué des gens ou vous comptez le faire. Nous aspirons aux mêmes choses. Entre nous, il paraît que la confrérie noire cherche de nouvelles recrues sanguinaires. Je vais faire en sorte d'attirer leur attention. Vous n'avez jamais entendu parler de la guilde d'assassins la plus notoire de Tamriel ? Selon la rumeur, c'est en ôtant la vie d'un innocent qu'ils vous recrutent à la confrérie noire. Là-bas, les assassins laissent libre cours à leur passion. Pensez-y. Un conseil. Quels que soient vos appétits, la confrérie noire préfère faire profil bas. Rappelez-vous, tuer des innocents attire l'attention. Mes sources me disent que l'on recrute ici à cœur enclume. Je serai sur les quais si vous voulez me reparler. Je ne veux pas que vous fassiez quoi que ce soit. Je vous renseigne, c'est tout. Je vous explique les occasions qui s'offrent à vous si vous acceptez de faire couler un peu de sang. Ne prenez pas ma prévenance pour un signe de quoi que ce soit. J'ai reconnu un esprit frère, et je lui ai suggéré un moyen de satisfaire ses appétits les plus noirs. Si vous n'apprenez pas à les contrôler, ils finiront par vous tuer. Surtout si vous ne trouvez pas les bons alliés. Ne montez pas sur vos grands chevaux. Rappelez-vous, je comprends. Le masque que vous portez chaque jour, celui dont vous craignez tant qu'il ne se brise un jour, dans la confrérie, vous pourriez abandonner ce masque. C'est votre véritable esprit qui les intéresse. C'est ce qu'il y a de mieux dans la confrérie noire. Elle se cache à la vue de tous. Personne ne sait où se trouve son quartier général, ni combien elle a de membres. Et pourtant, vous pouvez lire un livre à son sujet dans n'importe quelle bibliothèque. C'est du génie. Plusieurs, même. Mon préféré, c'est « La vérité de la mère de la nuit ». Il décrit les origines de la confrérie, bien qu'une partie tienne davantage de la conjecture. Mais oubliez ces livres. Tout le monde sait que la confrérie existe, et presque tout le monde la craint. La compagnie, la protection, entre autres. J'ai cru comprendre que les contrats rapportent aussi un joli paquet. Et on peut tuer des gens. Vous imaginez une meilleure guilde pour des gens comme nous ? Si vous voulez mon avis, c'est mieux que de faire les poches. Je ne révèle jamais mes sources. Mais le gros Gracal m'a dit qu'il a entendu Sarala la Salée parler de meurtres mystérieux commis sur la Côte d'Or. Pour moi, meurtre mystérieux égale confrérie noire. Oh ! Ça, je le tiens de Margog le marteau. Quand on lui paie quelques bières, il débite des secrets comme un bûcheron débite des rondins. Rien que l'autre jour, il m'a dit que son cousin Krusk avait tué un boulanger à cœur enclume. Le soir même, il recevait une mystérieuse visite. Vous ne connaissez rien de rien sur la confrérie, vous. S'ils décident que vous méritez une invitation, un de leurs dignitaires noirs vous l'annonce en personne. C'est un peu inquiétant, mais c'est un grand honneur. Je ne veux pas que vous fassiez quoi que ce soit. Je vous renseigne, c'est tout. Ne prenez pas ma prévenance pour un signe de... Eh, hey, je ne sais pas exactement comment ils choisissent leurs recrues, je vous répète juste ce qu'on m'a dit. Il faut peut-être se trouver au bon endroit, au bon moment. Comme cœur enclume. Bien sûr, il paraît aussi qu'ils ont des yeux partout, alors je ne sais pas. Ici, un instant si vous le voulez bien. Pardonnez mon interruption, mais je vous cherchais. J'ai une tâche à vous confier. Une lettre. Confidentielle et privée. Je l'ai... quelque part... Ah ! La voilà. Intéressant. Je suis également censé vous faire part d'une invitation à visiter le phare. C'est étrange qu'il n'en ait pas parlé dans la lettre. Oui, le phare de cœur enclume, en haut du chemin. L'auteur de la lettre m'a demandé de vous y envoyer après l'avoir remise. Une chance que je vous ai trouvé. Après avoir passé la journée à chercher la femme au bandeau, la nuit s'annonçait longue. Amélie Crowe, vous la connaissez ? Je lui ai remis une lettre là-bas, sur les quais de cœur enclume. J'ignore où elle est allée si précipitamment, mais elle avait l'air excitée par la nouvelle. Sur ce, j'ai d'autres courriers à remettre avant de pouvoir me reposer. Adieu.
Que les dieux vous gardent. Approchez. Laissez-moi vous regarder dans les yeux. Aucun remords. Aucune pitié. Oui, vous avez les yeux d'un tueur. Combien de vies se sont achevées sous ce même regard? Apparemment, assez pour que la mère de la nuit vous remarque. Ce qui nous ramène à cet instant. Rien à dire? J'apprécie ce genre d'attitude. Je suis une langue noire de la confrérie. La mère de la nuit parle à travers moi. Nous vous surveillons depuis un moment. Vous savez infliger la mort, mais vous le faites sans but. Nous pouvons changer cela, si vous êtes d'accord. Le silence et la musique de Citis. Peut-être que vous saurez nous servir. D'abord, il nous faut déterminer si vous êtes digne de rejoindre la confrérie noire. Vous prenez les vies aisément et sans hésiter. Nous savons que vous êtes capable de tuer. Montrez-nous donc que vous savez obéir. Splendide. Nous verrons si vous savez marier les affaires avec le meurtre. Laissez-moi d'abord vous offrir un présent. Je vais vous apprendre à utiliser un certain outil de notre profession. Je vous donne accès à la lame de malheur. Elle est bien plus aiguisée que vos autres dagues. Elle sera votre arme et le silence sera votre armure. Maniez la lame dans l'ombre et laissez son tranchant guider vos proies vers Citis. En retour, je m'attends à une loyauté indéfectible et une efficacité redoutable. Parlons à présent de votre mission. Un assassinat qui scellera un pacte de sang entre nous. Le noble impérial, le seigneur Quintus Jarol, figure sur la liste des condamnés par le sacrement noir. Votre tâche est simple. Trouvez Jarol et tuez-le. Ne passez pas à côté de cette opportunité.